30 octobre 2023. Bonjour, madame, monsieur. Un plaisir de vous retrouver dans cette édition du journal. La rentrée des classes est effective au Bénin depuis quelques jours, mais dans quelles conditions les enfants vivant avec un handicap vivent-ils dans les écoles? Ignace Aoubré, notre correspondant à Djougou, s'est intéressé au sujet. Conférence inaugurale des activités du GRAP samedi à la chaire UNESCO du campus d'Abomey-Calavi. Le point est à suivre dans cette édition. Et puis en sport, le choc des titans entre l'anglais Tyson Fury et le camerounais Francis Ngannou a eu lieu ce samedi 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Le vainqueur, désigné par désignation du jury, ne fait pas l'unanimité. À nouveau, bonjour. Merci de toujours préférer Eden TV pour vous informer. On ouvre cette édition de journal par la prise en charge des personnes vivant avec un handicap qui n'est pas encore une réalité dans toutes les contrées du Bénin. À Djougou, le père d'un enfant handicapé visuel a perdu espoir concernant la scolarisation de son fils. À côté, Saïdat n'est pas au bout de ses peines. Ignace Aoubré a alors allumé son projecteur sur ces deux cas. Suivons son reportage. Cet enfant, près de son père, qui détourne son regard devant notre caméra, n'ira point à l'école. Après 3 ans passés au CI sans succès, en raison de son handicap visuel. Le père en a ainsi décidé pour soulager la peine de ses enseignants qui n'avaient que marre de lui. Moumouni Isaka, l'instituteur ayant gardé l'enfant, nous confie. Pour travailler en classe, lorsqu'il y a le soleil, il ne voit rien. Il faut nécessairement le placer là où il y a un peu d'ombre pour permettre à l'enfant de voir ce qu'il avait écrit. Mais verbalement, l'enfant arrive à s'exprimer correctement, mais ses problèmes de vision, il a complètement. Pour écrire dans le cahier, c'est problème pour lui. Des fois, même vous le remettez le cahier, il faut être à côté de lui. À un moment donné, il faut même tenir sa main pour l'aider à former des lettres. Mais laisser les 81 élèves s'occuper d'un seul élève, vraiment, c'est une difficulté énorme. Si l'État peut donc spécifier ces enfants-là et leur trouver une école spéciale pour eux, là, leur formation sera mieux. Saïdat Moussa, la douzaine environ, en classe de CM2, handicapé moteur depuis sa naissance, orpheline de père et de mère, risque aussi d'abandonner les classes, faute d'accompagnement adapté. Chaque jour, la petite écolière se bat contre le destin dans un vieux fauteuil roulant. Elle doit sa mobilité à ses camarades de classe. Son maître, Aboubakar Issa Akende, nous confie. Au début de l'année, elle n'aura pas de finité scolaire. Moi-même, j'ai fait l'effort de trouver quelques cahiers pour pouvoir l'aider. Donc, c'est ainsi qu'on a démarré les cours. J'ai fait l'effort de travailler avec elle dans l'intention que tout ira bien pour qu'elle puisse réussir à se sauver. Nous sommes tous des hommes, elle peut faire aussi grand-chose. Sans la réussite, c'est pas très bien. Des organisations non gouvernementales sillonnent les écoles pour enregistrer les enfants et élèves en situation d'handicap. Mais hélas, les promesses ne tiennent pas. Sinon, au centre social, on l'avait déclaré. Vous voyez, celle-là, et du seul à l'entrée, même un seul cahier, ils n'ont pas pu la donner. Vraiment, c'est ça fait mal. Donc, le gouvernement et les jeunes n'ont qu'à penser à ces jeunes spécifiques. Dans sa volonté d'assurer une meilleure intégration sociale aux personnes en situation d'handicap, le gouvernement béninois a adopté un conseil des ministres du 21 juin 2023 5 projets de décret d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Les centres de promotion sociale sous la tutelle du ministère des Affaires sociales fait sans doute beaucoup en faveur de ces personnes handicapées au niveau communal, mais les populations ne le sentent pas. Nouhoum Zato, assistant du service social chargé de la promotion des personnes handicapées au centre de promotion sociale de Djougou. Actuellement, nous suivons au moins une vingtaine de personnes handicapées élèves. Vous voyez, je parle de l'année handicapée, vous voyez, ils nous viennent autant que ce que nous les apportons, ce que le gouvernement nous a donné pour qu'on puisse les appuyer à travers des kits scolaires. Lorsqu'ils se font soigner, ils nous reviennent. Et nous, vraiment, en compensation, nous les payons ceux dont ils ont eu à dépenser. Tout ça, là, c'est des appuis
que le gouvernement fait. Et tout récemment encore, le gouvernement allait mieux pour sortir des décrets. Parlant donc de la formation des personnes handicapées, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a un centre régional basé à Pepereakou, c'est dans Natitengou, qui s'occupe de la formation professionnelle des personnes handicapées. En macramé, c'est-à-dire c'est le tissage des lits à travers des nylons, il a, disons, le tricotage, il faut également le levage, le jardinage, beaucoup d'autres choses. Mais combien sont-ils exactement ces enfants écoliers et élèves handicapés dans les écoles privées et publiques de la Donga? Difficile de le savoir. Au niveau des directions départementales, les données statistiques n'existent pas. Merci à vous, Ignace Aubray, pour toutes ces précisions. Je rappelle que ces images ont été tournées avec une caméra amateur. La démission dans un état de droit, trahison ou sauvegarde de l'honneur ou de la dignité humaine, c'est le thème qui a focalisé l'attention samedi à la chaire UNESCO du campus d'Abomey-Calavi. Un thème en conférence inaugurale des activités du GRAP, entendez groupe de réflexion alternative et perspective pour l'année académique 2023-2024. Frédéric Espoir Mombo pour le compte rendu. Autour de ce thème, le groupe de réflexion alternative et perspective a réuni les sachants, chacun dans son domaine. Et en introduction de cette conférence, c'est le docteur Simone Monvou qui balise le chemin. Il s'agira probablement de voir dans l'acte de réflexion que c'est un acte de liberté. Mais parfois, on peut comprendre que l'expression de cette liberté peut être, l'exercice de cette liberté peut être faite sous pression. Et donc, il revient à savoir est-ce que dans tous les cas, l'acte de démission ou la démission est une trahison ou bien un acte de lâcheté. À sa suite, Oswald Pengla se penche sur la démission en droit de travail au Bénin. Il nous dira que la loi prévoit bien le fait, mais l'employé peut aussi y être contraint. On ne voit pas une activité parce qu'il n'y a pas de souci, mais on lui donne seulement ses droits acquis. S'il avait des accords de salaire, le congé va payer. Maintenant, si le patron va pousser à vous donner, si la démission est une démission forcée, obligée, parce que la loi n'est pas, soit le patron lui met la pression et il va démissionner, ou bien c'est le patron qui viole de façon répétée certaines de ses droits fondamentaux. Si dans ces conditions, il dépose sa démission, donc le juge considérera que cela comme une démission, comme un licenciement. La démission en politique n'a pas été occultée au cours de cette conférence. Ici, Chancy Mathieu Nka en expose les contours. Vous vous retrouvez dans un parti politique et que vous n'honorez pas les engagements du parti politique, vous ne suivez pas la ligne du parti politique. Votre responsable politique peut vous demander de démissionner. Je le disais également, la démission peut être volontaire. Et à ce niveau, elle est basée sur une idéologie. Elle est également basée sur, elle peut être basée également sur un intérêt personnel. Et parlant de démission, qu'en est-il au sein de la Grande Muette? Le général Célestin Améi Guidimé parle des conditions. Donc la démission de la statutairement très encadré et ne laisse la voix qu'à ceux qui en ont encore la force et la conviction après deux décennies de service. Quand les armées ont fini d'extraire en deux tout ce qu'elles elles respectent la volonté du chef d'agent, mais c'est toujours un défi de laisser partir un officier, un officier spécialiste dont les compétences restent toujours utiles aux armées et qui en ont toujours des gens. Quant aux déserteurs, il s'agit d'une catégorie devant le devoir être mal appropriée, mais ils sont matériellement aussi inoffensifs à la République, seulement que leur acte au plan moral est assimilé à une trahison. On retient donc que, dans tous les cas, la démission volontaire ou contrainte produit forcément.
Le mouvement Belinda Ondao et les jeunes volontaires pour la santé ont organisé samedi à Calavi un festival dénommé Festi Arose. L'initiative vise entre autres à lutter contre le cancer du sein à travers une marche de sensibilisation. Arthur Wendo. Elles sont sorties nombreuses pour prendre part à ce marathon dénommé Run for Air, courir pour elles. Chapeau à la tête, pancarte en main, tous vertus du même t-shirt, même effigie partout, on pouvait lire « Billy Now Now, Festi Arose ». Elles ont démarré le marathon ici, à la mairie d'Abomey-Calavi, avant de finir au campus d'Abomey-Calavi, plus précisément au jardin botanique. Tout ceci pour avoir une santé saine, dans le but de lutter contre les maladies de façon générale, et surtout de lutter contre le cancer du sein. Nous avons commencé à la mairie de Calavi et nous avons terminé au jardin botanique d'Abomey-Calavi. Cette marche a permis de sensibiliser, que ce soit les jeunes femmes et les jeunes hommes qui étaient présents, à ce qu'ils puissent pratiquer une activité physique pour lutter contre les maladies de façon générale et particulièrement pour lutter contre le cancer du sein. Et cette lutte a fait naître de vives émotions et briser la peur d'aller se faire dépister afin de lutter contre le cancer du sein. C'était fort en émotion, particulièrement pour moi, parce que cette maladie me dit beaucoup. J'ai eu des proches, une proche qui a souffert de ça et qui en est décédée. Donc ça m'a fait du bien de participer. Il faudrait que beaucoup de personnes aient moins peur d'aller se dépister. Souvent on a peur, surtout quand on a vu des proches aussi souffrir de ça, on est bloqué. Et on ne veut pas faire des efforts, on ne veut pas aller même se dépister tellement on a vécu des choses difficiles. Alors qu'il ne faut pas. Mieux on se dépiste à temps, plus on peut faire face à la maladie. Le mouvement Billy Now Now Bénin intervient dans plusieurs domaines. Nous travaillons sur les questions de droits et santé sexuelle reproductive et travaillons beaucoup avec les femmes. Et le cancer du sein fait partie des cancers qui touchent beaucoup de femmes dans notre pays. Et pour nous, c'est vraiment le mois d'octobre est vraiment un moment idéal pour pouvoir réunir des femmes, réunir des jeunes, les sensibiliser sur les moyens de prévention, surtout le dépistage précoce face à cette maladie-là, pour leur permettre de l'éviter. Donc, nous avons associé la marche pour pouvoir faire la sensibilisation, inviter les gens à se dépister précocement surtout. Au-delà de la sensibilisation, nous avons des stands qui sont animés par des organisations de jeunes partenaires que je remercie. Nous avons le réseau des jeunes sages-femmes du Bénin, nous avons YID Bénin, nous avons YouReport, nous avons Chiera ONG, donc nous avons le MAJ, la BPF qui est notre partenaire de tous les jours. Donc nous avons toutes ces organisations avec nous qui animent des stands et qui font également de la sensibilisation. Mais au-delà de ça, nous avons un espace aménagé pour pouvoir faire le dépistage pour les femmes désireuses de pouvoir se faire dépister à la fin de la marche. Sur place, elles ont été dépistées contre le cancer du sein. Elles ont pris part à la foire artistique et ont participé à plusieurs communications. Et puis en interactualité, l'actualité sportive du week-end, c'est cette rencontre entre le Britannique Tyson Fury et le Camerounais Francis Ngannou à Riyad en Arabie Saoudite devant un parterre de stars. Sur décision du jury, Tyson Fury remporte de justesse son combat de boxe tant attendu contre la star des arts martiaux mixtes Francis Ngannou. Grand favori en sa qualité de champion des poids lourds, Fury a été déclaré vainqueur par décision partagée face à Ngannou qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe. Le Camerounais, ancien champion des loups à l'UFC et qui se prépare à faire ses débuts au PFL, a toutefois gagné le respect de tout le monde. Il a surtout frôlé la gagne. Le monde de la boxe admiratif de Francis Ngannou après son combat face à Tyson Fury. Et puis des manifestations ont lieu partout dans le monde en raison du conflit entre Israël et la Palestine pour proposer un cessez-le-feu. On va suivre ce reportage de nos confrères de RT.
Des manifestations continuent d'éclater un peu partout. Les protestataires exprimant ici ou là leur soutien, tantôt à Israël, tantôt à la Palestine. À Tel Aviv, en Israël, les foules ont pris d'assaut la rue devant le quartier général de la défense israélienne, brandissant des photos d'otages retenus par le Hamas à Gaza, exigeant leur libération. Les noms des disparus sont exposés sur une bannière indiquant 12 membres d'une famille toujours captive. Actuellement, plus de 200 personnes seraient détenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Dans le même temps, à Genève, en Suisse, des centaines de manifestants ont arpenté les rues autour des bureaux de l'ONU pour demander un soutien plus ferme à Israël et une condamnation plus dure du Hamas de la part des instances internationales en vue du retour à la paix dans la région. Écoutons ce que pensent les manifestants. En tant que chrétiens, nous soutenons Israël. Et d'un côté, nous organisons des prières, mais aussi nous fournissons des produits alimentaires et tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec des êtres humains normaux. C'est comme Daesh ou l'État islamique et toutes les organisations pareilles. En tant que communauté, nous devons bien sûr nous tenir du côté d'Israël. Il ne s'agit pas tant de savoir si cela aurait pu être évité ou non. Les questions viendront après. Le moment de poser des questions et d'y répondre viendra après. C'est le moment de comprendre que nous ne combattons pas une armée, nous ne combattons pas un ennemi humain, nous combattons l'État islamique. Tournons-nous à présent vers l'Asie, où des manifestations pro-Palestine se suivent dans des pays qui n'avaient jusque-là pas encore pris position. En Malaisie, pays musulman, des milliers de personnes conduites par le Premier ministre Anwar Ibrahim se rassemblent dans un stade couvert de Kuala Lumpur pour exiger de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. La Malaisie est un partisan fervent des Palestiniens et n'a aucun lien diplomatique avec Israël. Des centaines de manifestants se rassemblent à Hyderabad en Inde pour condamner les frappes aériennes sur Gaza, scandant des slogans « Je suis avec la Palestine ». L'Inde reconnaît Israël et la Palestine comme État. Le sport peut aussi aider à calmer les tensions. À Marseille, une association de supporters du club de football de l'Olympique de Marseille, South Winner, a organisé un rassemblement pour la paix. Un rabbin et un imam étaient présents. Je demande à tous ceux qui décident de faire un acte terroriste ou de manquer de respect à son voisin, qui est la franchise, de reconnaître qu'il est en train de déverser la haine qu'il a à l'intérieur de lui et que la religion n'est qu'une excuse. Jamais, dans aucune religion, vous aurez des textes qui véhiculent la haine. L'unité est notre force, mes chers amis. Messieurs, dames, la France peut être un exemple de coexistence pacifique, privilégiant le dialogue, la résolution pacifique des différends et de la solidarité. Ne laissons pas, s'il vous plaît, la haine, la guerre s'inviter chez nous. De nombreuses personnes de la ville se sont présentées pour l'événement, amateurs de football ou non. J'ai toutes les communautés, j'ai toutes les races, j'ai tout. Il y a de tout chez nous. Il y a toutes les couches sociales, voilà, et tout le monde s'entend très bien. On est là pour une seule voix, c'est l'OM, dans les tribunes. Et dans notre ville, il faut que ça soit pareil, que ça le reste. Ça l'est, mais il faut insister sur ce cas de figure que, voilà, pas de dérapage, les mecs. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Parce que je trouvais vraiment exceptionnel qu'on arrive à rassembler les trois religions qui mènent le monde, en fait, chacun dans son coin. Voilà. J'ai trouvé ça super sympa. Et le lieu, alors, parfait. Parfait. Du fait d'une possible invasion militaire d'Israël dans la bande de Gaza, des manifestations sont encore prévues dans les prochains jours, partout dans le monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonne semaine de travail.